Dès le rachat du château en 2014, Sylvio Dens a lancé un plan de restructuration du vignoble, passant par une conversion en biodynamie et un recentrage vers le vignoble historique de 1855. Le millésime 2018 est connu pour avoir été un millésime plutôt tardif, avec un mois de septembre assez sec, et où le botrytis a mis du temps à se développer. Nous avons dû gérer des vagues de sécheresse et de pluie, et grâce à la connaissance du vignoble, l'équipe technique a pu obtenir le meilleur de ce millésime. Nous avons été aussi aidés par notre sol de grave, allié au sable, à l'argile et au calcaire, qui ont permis de mettre en valeur ce millésime avec beaucoup de complexité, de fraîcheur et de minéralité. Ce millésime, un peu plus bas en acidité que le millésime 2017, donne des vins très gourmands, très riches, très opulents, que l'on va pouvoir déguster assez rapidement. Il vous donnera beaucoup de plaisir, je n'en doute pas.